Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement remercier tous ceux et celles qui me laissent de gentils et chaleureux commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en numérologie dont la question est « Comment réagit-il, réagit-elle à votre silence ?» Comment réagit-il ou réagit-elle à votre silence ? Vous avez décidé de vous accorder un temps de retrait, un temps de recul. Et je suppose que c'est pour réfléchir à ce que vous vivez. Ce temps de recul, je pense que c'est au niveau de, non seulement de ce que vous vivez, mais je dirais sur vos émotions et surtout sur vos projections futures. De toutes les façons, cela est à votre honneur, évidemment. Étant donné que vous voulez réfléchir, c'est normal. Sauf que l'autre personne à qui vous avez imposé ce silence se pose beaucoup de questions. Cette personne ne comprend pas votre mutisme. Elle est vraiment dans des questionnements auxquels elle ne trouve aucune réponse. Et elle se demande pourquoi vous lui avez imposé ce silence, cette distance, et bien évidemment, cela la fait souffrir beaucoup. Parce que dans ses questionnements, elle ne trouve pas de réponse. Dans le sens que lorsque vous avez décidé de prendre de la distance, vous ne lui en avez pas parlé. Et c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne lui répondez pas ni à ses appels, ni à ses messages, ni à ses textos. Elle est vraiment, vraiment dans de grands questionnements. Tout comme vous d'ailleurs, le fait que vous avez pris de la distance, que vous avez décidé de prendre du recul, il est évident que vous aussi, vous êtes dans des questionnements par rapport à vos projections futures, par rapport à vos émotions.
Vous êtes en période de réflexion, oui. Mais la personne à qui vous avez imposé ce silence est aussi dans une phase de recueillement, plus ou moins compréhensible. Et elle se dit que probablement que vous avez vos raisons, les raisons qui vous ont poussé à vous éloigner, mais elle n'accepte pas cet éloignement sans explication. Ça lui fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et ça la fait souffrir. Je dirais pas que... Pardon. Je dirais pas qu'elle a fait souffrir au point qu'elle vit un sentiment de culpabilité. Pas du tout. C'est juste que ça la fait souffrir parce qu'elle ne comprend pas. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance? Et dans tout cela, elle essaie quand même, bien malgré elle, de lâcher prise, tout en essayant de reconsidérer ce désagrément, tout en essayant de reconsidérer aussi ce désaccord entre vous deux. Mais pas en étant convaincu que votre silence, que votre mutisme vis-à-vis d'elle est justifié. Elle n'en est pas convaincue. Malgré qu'elle essaye de faire un lâcher-prise, malgré qu'elle essaye de réfléchir elle aussi, de se poser des questions, malgré, comme j'ai dit, elle essaye de reconsidérer ce désagrément, ce désaccord entre vous, mais votre mutisme vis-à-vis d'elle, elle ne le justifie pas. Et comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, malgré ces appels, malgré les nombreuses tentatives d'approche, soit par téléphone, par courriel, par texto, peu importe, malgré ces nombreuses tentatives, vous gardez toujours votre position. Et cela devient insupportable pour elle. Cela devient insupportable et cela la déstabilise également. La personne souffre en ce moment de ce silence que vous lui avez imposé. D'ailleurs, elle juge votre comportement comme étant égoïste et parfois il lui arrive même de penser que vous avez quelqu'un dans votre vie. Et à force de trop y penser, elle finit par y croire. Elle finit par croire que ce silence, cette distance est la raison, ou en tout cas la raison de votre distance et de votre silence, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre vie et cela l'affecte beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle se dit. Le fait aussi qu'elle trouve cela très égoïste de votre part, et en pensant que probablement
ce silence de votre part est dû au fait que vous avez quelqu'un dans votre vie, et elle, à force d'y penser, elle finit par y croire. Cela l'affecte beaucoup, et c'est le fait de tellement être convaincue que vous avez quelqu'un dans sa vie qu'elle cherche à comprendre, ou en tout cas qu'elle cherche à comprendre, oui, à comprendre pourquoi vous vous êtes distancié, pourquoi vous vous êtes retiré. Et cette attitude de votre part la place face à elle-même. Votre attitude la place également face à son comportement, face à sa responsabilité affective vis-à-vis de vous. Parce que vous avez pris vos distances, mais cette distance que vous avez imposée à l'autre fait aussi que l'autre se pose des questions et essaye de comprendre ce qu'elle a fait, essaye de comprendre son comportement, essaye de voir clair à sa responsabilité affective vis-à-vis de vous. Mais tout cela sans aucun sentiment de culpabilité. Elle se dit qu'au fond, vous aurez dû lui dire que vous avez besoin de prendre la distance, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, que vous avez besoin de prendre la distance, que vous avez besoin de réfléchir, et probablement qu'elle l'aurait accepté. Mais pour le moment, la personne ne l'accepte pas. Ou du moins, est très difficile pour elle de l'accepter. Mais d'après ce que je vois, que malgré vos distances, malgré ce recul, et quelle que soit la raison de votre silence, quelle que soit ce que vous allez en retirer de ce silence, ou en tout cas de cette introspection, vous tenez à cette personne. Vous êtes attaché à cette personne. Il me semble que vous avez juste besoin d'une communication ouverte. Besoin d'expliquer les choses, de verbaliser ce que vous ressentez, ce que vous vivez auprès de cette personne. À moins que vous l'avez déjà fait, mais la personne ne comprend pas, c'est possible. Mais comme je vous ai dit, la personne et cette distance que vous avez effectuée, décidée, fait en sorte que la personne est en train de réfléchir, elle aussi de son côté, à sa responsabilité par rapport à vous, à sa place dans votre vie aussi. Mais comme je l'ai dit, quelle que soit la raison de votre silence, vous tenez beaucoup à cette personne. Il suffirait juste d'être dans une communication ouverte. Et je dirais une communication aussi sans reproche.
En conclusion, je dirais, essayez de vous affirmer. De vous affirmer avec un esprit ouvert, avec plus de compréhension. Donc, avec cette ouverture d'esprit et avec plus de compréhension, il est probable que vous arriverez tous les deux à régler ce qui ne l'a pas été dans le passé. Et tout à fait normal que vous manifestez votre désarroi, c'est tout à fait normal. Parce que si la personne ne sait pas pourquoi vous vous êtes retiré, ben, il est tout à fait normal que vous manifestez votre désarroi, mais le manifestez avec intelligence, avec perspicacité, avec une certaine diplomatie aussi. Et si la raison de votre silence, c'est de mettre une fin définitive à cette relation, faites-le savoir à cette personne. Ne la laissez pas dans un questionnement interminable. Et si la raison de votre silence, c'est de mettre fin à cette relation, sachez qu'en le faisant, vous amorcerez chez vous, en vous, le déclenchement d'un nouveau changement, d'un nouveau cycle. C'est-à-dire, vous mettez fin à un passé pour passer, vous mettez fin à un passé pour avancer vers un nouveau, vers une nouvelle vie, vers un nouveau destin. Car toute fin est suivie d'une renaissance. Donc si la raison de votre silence est de mettre fin à la relation, il faudrait l'expliquer à la personne. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne l'expliquez pas, vous ne le dites pas à la personne, vous restez vous aussi dans une stagnation émotive. En mettant fin, ben vous passez à autre chose. Et bien entendu, la personne passera elle aussi à autre chose. Ça, si vous tenez à mettre fin à la relation. Malgré que, comme je l'ai vu tout à l'heure, vous tenez beaucoup à cette personne. Vous l'aimez. Alors, soit que cette distance que vous avez pris, est favorable pour réfléchir à votre avenir, soit que cette distance, c'est pour réfléchir à mettre fin à la relation. C'est une des deux. La distance pour mettre fin ou la distance pour réfléchir et repartir sous de nouvelles bases. Donc, comme je l'ai dit, si la raison de cette distance, de cette introspection, c'est de mettre fin à la relation, faites-le savoir à la personne. Parce que ça va vous permettre à vous de mettre fin à ce cycle-là pour passer à un nouveau cycle. Et l'autre personne également. Mais pour le moment, cette personne réagit très mal à votre silence. Ça l'affecte beaucoup, malgré qu'elle, parfois, elle essaye de faire un lâcher-prise, malgré que parfois, elle essaye de reconsidérer, ce désagrément,
en fin de compte, qu'il y a entre vous deux, malgré qu'elle n'accepte pas ce silence de votre part, sans aucune explication, donc l'autre personne aussi souffre de ce silence. Et c'est comment qu'elle réagit? Ben, elle réagit intérieurement de façon très difficile. Et vous, de votre côté, vous êtes comme, je dirais, à la croisée des chemins. Ou vous mettez fin à la relation, c'est la raison pour laquelle vous voulez prendre du temps pour réfléchir, ou vous reprenez la relation, mais sur des bases nouvelles, des bases plus intéressantes, mais il faudrait le faire savoir à l'autre personne. Voici ce qu'il en était pour cette lecture d'aujourd'hui, et c'est ainsi qu'elle prend fin. Si vous avez des questions, laissez-les moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.